fourchette. À manger. Des toques. Une pâte. Cuisinier. Vous êtes déguisé en quoi? En cuisine. Voilà qui a le mérite d'être clair. Nous parlons atelier cuisine. Vous l'aurez deviné. Bienvenue tout d'abord à l'école primaire de Châtel où aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire puisque nous fêtons... Voilà qui est fort et clair également. Reprenons. La cuisine, la découverte des saveurs et le bien manger, eh bien on en parle et on travaille dessus et dans toutes les classes de l'établissement tout au long de cette année. La preuve, rappelez-vous. C'est bon. C'est bon comment ? Un petit peu bon. Bon. Il y a du potiron. C'est notre thème de travail de la petite section de maternelle jusqu'au CM2. Et ce thème nous permet d'avoir aussi un thème de déguisement pour le carnaval chaque année. Donc voilà, ce qui est important de savoir, c'est que tous les costumes sont fabriqués à l'école, dans les classes. Et pour mieux apprécier le contenu des différents travaux réalisés, petit tour d'horizon, à présent des différents fruits, légumes et autres préparations culinaires représentées. En fait, nous sommes déguisés en cupcake. Il y a du chocolat. Non, c'est un gâteau. Ouais, c'est un gâteau. Ça, c'est comme un gâteau. C'est dans le gâteau Une petite cerise. Un plat La pizza. Pizza. Pizza aussi. Qu'est-ce que tu préfères comme plat? Un burger et beignets de calamar. Et toi? Tomate farcie et curry. Et toi alors? Des bonbons. Le carnaval, c'est aussi le moyen de fédérer et de déguster ensemble. Les bulles confectionnées par les parents d'élèves de l'école de Châtel. Bah, de rapporter des sous pour l'école, faire des sorties et voilà. Voilà donc un bon et sympathique moyen de participer aux différents projets de l'école de Châtel. Mais qui dit bugne, dit maman qui cuisine derrière les fourneaux. Coup de chapeau et rencontre avec quelques-unes d'entre elles. Notre plus grand travail dans l'année, c'est la préparation du loto qu'on organise tous les automnes avec de nombreux boulots et j'encourage tout le monde à venir à notre loto qui se déroule en général au mois de novembre chaque année. Moi, c'est important parce que je veux que mes enfants sachent que nous sommes toujours là pour eux et qu'il faut qu'on s'investisse dans la vie des gens près de nous, proches de nous. Soit quand on nous demande de faire des gâteaux pour Noël, pour on fait les bunes pour carnaval, les accompagner pour leur sortie de fin d'année. Il faut que l'investissement soit continu tout au long de l'année, donc il faut que les différents membres puissent participer toute l'année, ce qui n'est pas forcément évident l'hiver à Châtel. Allez, on en profite en ce carnaval édition 2016 pour rappeler que toutes les forces vives au sein de l'école châtelaine sont les bienvenues car les projets ne manquent pas. Merci donc, si le cœur vous en dit, de vous faire connaître auprès de l'établissement scolaire.